du Shem Ishmoël se rapporte au premier pasouk de la parasha Vayeler, et plus précisément au premier mot. Vayeler Moshe, Vaydaber et Adevarim Haele El Kol Israël. Donc Moshe va chez qui El Kol Israël. Il va, c'est pas écrit où il est allé, c'est écrit à qui il a parlé. Vayeler Moshe, Atnachta. Atnachta, ça veut dire qu'il y a une pause. Après ça, Moshe parle à tout Israël et il leur dit des mots qui sont pour les réconforter, malgré sa mort qui est, a priori, va être aujourd'hui même, parce qu'il parle le jour de sa mort. C'est ce qu'il dit. Vayomer aleihem ben mea ve'esrim shana anochi hayom lo ochal od latzet velavo. J'ai aujourd'hui 120 ans, je ne peux pas aller et venir, ou sortir et venir. Hashem amar elai lo ta'avor et arden azer, que Jochum a dit de ne pas traverser le Yarden, le Jourdain. Hashem Elohecha ou over lefanecha ou yashmin et agouin. Il les rassure. Jochum va vous accompagner, il va détruire les goïm. Et surtout, Yoshua ou over lefanecha, Yoshua prend ta place. Il va aller devant, il prend la place. Kacher diber Hashem. Ça, c'est le pshat. A priori, on voit que le début de la paracha sont des mots qui viennent rassurer le peuple, qui encouragent le peuple, malgré que Moshe Rabbeinu quitte le peuple et leur annonce sa mort. Il les réconforte en leur disant que vous allez vous traverser le Yarden et Yoshua va prendre ma place. Ce qui a préoccupé nos Chachamim, et les commentaires, vraiment on peut dire la majorité des commentaires, à part Rashi qui ne s'est pas prononcé sur ce point-là, Vayelech Moshe, cette introduction-là, à la paracha de Vayelech Moshe, Moshe est allé, on ne sait pas où il est allé, où il va. Alors, le Shem Shmuel va nous ramener un Midrash Tanchuma. Qui va donner une interprétation midrashique à Derech Hadrash, mais vous rappelez comme avant de commencer cette interprétation midrashique du Shem Shmuel à partir du Midrash Tanchuma, vous rappelez un petit peu les avis des commentateurs. Il y en a qui vont dans un sens que Moshe Rabbeinu, c'est pas seulement un sens, c'est aussi l'interprétation, que Moshe Rabbeinu Bémet est allé chez Israël, est allé chez Am Israël. Pshat, je ne sais pas si c'est le pshat. Et Yonatan Ben Uziel, qui est le Tirgum Tanaï, c'est un Tirgum d'un Tana et d'un grand Tana, l'élève de Hillel, à laquelle. Lui, il dit que Moshe Rabbeinu est allé « Va'azal Moshe le Mashkan Betul Pena » Moshe Rabbeinu est allé au Bet HaMidrash. « Va'yelech Moshe » il est allé au Bet HaMidrash. Il est allé au Betul Pena. Il est allé pour Oel, Oel Moed. C'est ça la traduction de Yonatan Ben Uziel. Par contre, je ne sais pas si c'est par contre, mais disons un petit peu dans le même sens d'une Moshe Rabbeinu est allé, pas au Bet HaMidrash, mais il est allé chez les Avot, puisque la fin de la parashat Nitzavim, on parle de Avraham, Yitzhak et Yaakov, la terre promise à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et quand Moshe Rabbeinu sent qu'il a rempli, donc à 120 ans, Bidiouk, sa mission, il est allé chez les Avot leur dire, voilà, je... Et ça, c'est le Baal HaTourim qui nous dit. Kishrei Neshamot, comme tu veux. Bah oui. C'est l'officier. Baal HaTourim. Baal HaTourim nous dit que le. Non, tu comprends bien que Moshe Rabbeinu
son corps n'est pas une grande entrave. Moshe Rabbeinu, il a un pouvoir de sortir, de s'élever. Il était 40 jours sans manger, sans boire. Ça veut dire que le corps chez lui n'est pas une entrave ni un obstacle. Pourquoi ? Parce que le corps s'est raffiné au point d'être pratiquement volatilisé. C'est pour ça qu'il va mourir une mitat neshika. C'est quoi mitat neshika ? C'est qu'en réalité, il n'y a pas de conflit et d'opposition entre la neshama et le corps. La neshama et le corps sont devenus presque une même essence, ou ils ont la même propriété, le même caractère de ruhani, spirituel. Disons que le corps s'est élevé au niveau de la neshama. Le corps s'est élevé au niveau de la neshama. Donc, nous avons... Et on peut comprendre que Moshe Rabbeinu a des manœuvres différentes de nous. Et en plus, les Avot, je ne sais pas où ils sont. Leurs corps sont à Marat à Marpella. Bon, ce n'est pas grave. En tous les cas, je vous ramenais, c'était simplement pour enrichir l'introduction. Enrichir l'introduction. Le Sforno, si tu veux, du Pshat, plus Pshat que le Pshat. Le Sforno, il dit, Vayeler, ce n'est pas obligatoirement la notion d'aller. Vayeler, on peut parler de Vayeler, Ish, Mibet, Lévi, Vaikar, Elbat, Lévi. Ça veut dire quoi? Il est allé. C'est pas étalé, c'est une notion de, il s'est préparé à faire quelque chose. Il s'est réveillé à faire quelque chose. Là aussi, Vayeler Moshe, il dit, dans le sens, il veut maintenant venir. En réalité, ce qu'il voulait, Moshe Rabbeinu, d'après le Sforno, c'est que Moshe Rabbeinu voulait que sa mort ne va pas mêler de la tristesse au peuple et que le peuple reste besimra après la brit. Il y a eu une brit, et après le brit, il fallait rester besimra d'avoir fait une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, il va parler de leur mort, de sa mort, donc il va tout de suite les encourager, leur dire, écoutez, ne vous inquiétez pas, Abjoukho est avec vous, Yoshua ben Nun me remplace. Et donc, Vayeler, c'est une sorte de it horaire le Zé, nous dit le Vayeler, ce n'est pas dans le sens d'aller physiquement d'un endroit à un autre. Mordechai, il voulait rester dans le rationnel du spirituel. C'est pas la même chose. L'élévation de Moshe Rabbeinu, le pas rentrer en Eretz Israël, c'est pas un problème de Moshe, c'est un problème du peuple. Ouais. C'est pas un problème personnel de Moshe. Alors, en général, je te vois là sur l'écran, là. Rabbi Amram. En direct. En direct. Ça, c'est l'explication du Sforno. Et nous avons l'explication du Ramban. Le Ramban, et certains autres Mefarshim vont dans le sens, parce que ça paraît être le Pshat comme Yaakov Cohen d'une manière spontanée a dit, voyez l'Ech Moshe où il est allé chez le peuple, puisqu'il va leur parler, donc il est allé chez eux. Bon, mais ce qu'il faut expliquer, pourquoi il fallait aller chez eux alors qu'on a, à Paracha précédente, atteint sa vie, à Yom Kulechem, ils étaient tous devant lui. C'est ça la difficulté qu'il y a dans ce commentaire-là. C'est qu'ils étaient à Tem, Nitzavim, Ken, Ayom, Kolechem, Lifne Hashem et Lokechem. Alors, Lifne Hashem et Lokechem, oui, mais ils étaient tous réunis et ils leur parlent, c'est l'alliance. Donc, qu'est-ce que c'est Vayelech Moshe? Si tu dis Vayelech Moshe, il est allé chez le peuple, mais le peuple se trouve devant lui. Pardon? Oui, mais là, il n'y a pas de chronologie d'une manière générale. Mais là, on parle du jour de sa mort, de toute façon.
Non, ça c'est une misa pour plus tard. Et oui, il va leur dire. Ah, c'est pas pour. C'est pas oui, alors. Je vais leur dire. Oui, non, il va leur dire maintenant. Oui, mais on voit, c'est écrit ici. D'abord, et advarim el el kol Israël. Mais le vayelech Moshe lui-même, les mots, qu'est-ce qu'ils indiquent? On peut dire, d'abord et kol Israël, ils étaient tous devant lui encore, tout simplement. C'est une suite de Nitzavim, tout simplement. Alors, au milieu, le vayelech Moshe, on ne comprend pas. Alors, Yonatan ben Uziel, il dit, il est allé au Beta Midrash. Il est allé au El Moed. Baal HaTourim dit, il est allé chez qui? Il est allé chez les Avot, Abraham, Isaac et Jacob pour leur dire, voilà, j'ai rempli ma mission, maintenant ils sont prêts à rentrer en Eretz Israël, la terre qui vous a été promise. Le Ramban et d'autres disent non, il va aller chez le peuple, mais le peuple se trouve là. Alors il explique le Ramban, dit Kacher Ishlim Kol Dvarav Azalchu Kol Anitzavim Lefanav. Quand il avait terminé de parler tout ce qu'il a parlé dans Atem Nitzavim, tout le monde s'est rendu et rentré chez lui. Ils sont retournés à leur tente. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Moshe, c'est qui va aller? Moshe Rabbeinu va aller? Va yomer akatou. Ata ki Moshe alar mi machane levia el machane Israël lichvodam. Moshe Rabbeinu est allé cette fois-ci pour les honorer, pour honorer le peuple. Comme un homme qui veut se séparer de son prochain. C'est-à-dire qu'il a fait un acte de kavod, d'honneur à Amisraël. Je m'en vais. Je viens vous dire au revoir. On dirait, je viens vous dire mes adieux. Je n'ai pas tellement ce mot-là parce que ça fait un petit peu. Et surtout que c'est pas tout. Mon cher Rabbeinu, ce n'est pas des adieux parce qu'il se trouve dans la Torah avec laquelle on vit. Donc on est toujours attaché à Moshe. Mais c'est ce qu'explique le Ramban. Donc, le Ramban rentre dans le Pshat. Bémet, ils étaient tous devant Moshe. Atem nitzavim ayom kolechem. Mais, ils sont tous rentrés à la fin de la parashat nitzavim. Et alors, cette fois-ci, c'est Moshe Rabbeinu qui va aller vers eux et c'est lui qui va leur parler. C'est Moshe Rabbeinu va aller vers eux et il va leur parler. Et pourquoi c'est lui, il veut aller vers eux pour leur dire les derniers mots-là, pour l'Ikhvodam, la tête la même est à Kavod, de leur donner cet honneur-là. Le Rachaim Akadosh, lui, va dans un autre sens. Il dit, va yelech Moshe, ni il va chez l'âme Israël, ni il va chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, ni il va au Beit HaMidrash. Et là, où il va, il se retire de lui-même. Va yelech Moshe chez son âme qui se retire de son corps. Parce qu'on sait, d'après le Zohar, que 30 jours avant la disparition de quelqu'un, avant la mort de quelqu'un, 30 jours avant, les tzlalim, c'est-à-dire, on va dire plutôt ici, l'image divine, le tzel, c'est-à-dire, c'est une parcelle de l'âme, on va parler, une parcelle importante de l'âme, quitte l'homme déjà. Elle le quitte, et il se sent bémet, et les tzadikim, ils sentent qu'ils sont sans cette parcelle d'âme pendant 30 jours. Et ils peuvent, eux, le ressentir et les autres aussi le ressentir. Il a des discours différents. Il est différent. Et Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Va yelech Moshe. Moshe, il s'en va. Mais il s'en va. Il quitte qui? Il se quitte lui-même. Moshe Rabbeinu a quitté son corps. Et qui est-ce qui parle? C'est Moshe. Le nom Moshe, c'est qui? C'est le nom du corps ou c'est le nom de l'âme? Non, c'est le nom de l'âme. Donc, va yelech Moshe, c'est son âme qui s'en va. Bon, je suis gêné un peu par ce commentaire-là, parce qu'a priori, ça veut dire que Moshe, maintenant, il se trouve dans une certaine déficience spirituelle, puisqu'il n'est pas animé par toutes les parcelles d'âme. Et dans le Shem Ishmoel, on a l'impression qu'il va dans le sens inverse. Il va dire que Moshe Rabbeinu maintenant se trouve au summum spirituel. C'est ça qui m'a gêné, mais il semble que ce qu'il veut dire, et quand on fait attention à ce qui est de l'Ohar Haïm HaKadosh, il ne faut pas oublier la suite du Zohar. La suite du Zohar dit que avant, 30 jours avant, l'âme quitte. Alors, Vayelech Moshe, c'est l'âme qui a quitté, mais le jour de la mort, Tosef Ruham Igvaum, le jour de la mort, tout ce qui a quitté 30 jours avant, le jour même, tout revient. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, le jour de leur mort, ils sentent mieux, ils sont bien, ils sont en pleine forme.
ils reprennent des forces. Ça se voit. Et ils ont aussi, le jour même, une perception plus grande, une vue plus grande. Parce que toutes les parcelles qu'ils auraient quittées, et même d'autres éléments d'âme du passé, tout revient ce jour-là. Et donc, mon cher Abbé nous retrouve réellement son niveau dans le summum. Donc, ce n'est pas en contradiction à ce que dit le Or HaHaim HaKadosh. Alors, on commence maintenant le Shem Shmuel, qui lui nous ramène à Midrash Tanchuma. Qu'est-ce qui est écrit dans Midrash Tanchuma? Dans Midrash Tanchuma, c'est écrit « Tanchuma vayelech Moshe vayidaber en vayelech ela lashon tochecha » Le mot « vayelech » qui est « aller »,« aller hein, »,« lalechet »,« aller », qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie « réprimande ».« Vayelech Moshe », le mot « vayelech », qu'est-ce qu'il signifie « vayelech Moshe » Moshe, mochiach, il réprimande. Et le mot vaïdaber signifie un mot dur. Vaïdaber, c'est dur. Alors, qu'est-ce que le Shem Shmuel objecte à cela? Alors, d'où le Midrash? D'abord, on termine la lecture du Midrash Tanchuma qui est cité ici dans le Shem Shmuel. Remarquez. Vous voyez? Tanchuma, vaïelech, Moshe, vaïdaber. En vaïelech, elle a la chante tochecha. Le mot vaïelech, c'est une notion de tochecha. On n'a pas souvent entendu que le mot vayeler c'est tochecha. Davka, ça signifie chez Esav par exemple, qu'est-ce qu'il a dit? Il est un oler d'amout. Et le mot oler, c'est plutôt ça voudrait dire chez Esav là-bas, quand Yaakov a préparé son plat de lentilles, il a dit à Esav a dit à Yaakov, donne-moi à manger. Bechora, pas Bechora, etc. Qu'à quoi il va me servir à Bechora, puisque de toute façon, il a dit, et ça, Ani, Oler, Lamout, je vais mourir. Bon, ça, le pshat, ça veut dire, je vais mourir de faim, ou je vais mourir, de toute façon, je ne reconnais pas Hachem, il est kofer, donc il va mourir spirituellement, peu importe maintenant l'explication. Mais ici, il veut dire le Midrash Tanchuma, Chazan nous dit, En vayelech ela lashon tochecha, sheneemar lechou hazu. Mifalot Elohim. C'est le pasouk, l'origine, Teilim. Teilim, là-bas, de quoi il parle? Il parle de Yerushalayim. Il parle de la guerre de Gog ou Magog, où toutes les nations, et à la tête des nations, Gog ou Magog, qui viendront où? Où ils vont venir? Quel va être le point d'hostilité? Vers quoi va être l'hostilité des Goïm à la fin des temps? Yerushalayim. Il ne faut pas se leurrer, messieurs. On se trouve au milieu. Tout se prépare à cela, vous le voyez. Finalement, c'est ça le dernier problème qui va rester. C'est que Yerushalayim, on le comprend. Hein, celui qui lit bien la carte de l'histoire, pas de la géographie, mais de l'histoire, okay, il comprend que finalement, l'obstacle et qui va entraîner, qui peut entraîner en tous les cas, qui peut entraîner une itoreroute, un réveil de venir par lutter, okay, et faire la guerre avec Yerushalayim, elle est claire, le déroulement des choses là, est presque évident. Et c'est ce que nous dit Tehilim, David Amener, si je lis Tehilim, vous le connaissez pas trop, mais vous connaissez un petit peu, ceux qui lisent beaucoup de Tehilim. Amnatseh, Nekoach, Ala, Lamotchir, Elohim, Lanu, Mahase, Varoz, Ezra, Betzarot, Nitzameod, Alken, Lonira, Behamir, Aretz, Vemot, Harim, Belev, Yamin, Yehemu, Yehmeru, Mema, Virashu, Harim, Begavato, Sela, Nahar, Pelaga, Vesamehu, Ayr, Elohim, Kedosh Mishkene Aylion, Elohim Bekirba Baltimot. Akjohu se trouve à Yerushalayim, Baltimot, elle ne va pas être ni penchée, ni détruite, comme Ouvan. Yazrea Elohim Nifnot Boker, Amu Goim, et les Goim vont venir en Hamon 46. Amu Goim, Matu Mamlachot, Nathan de Kolot, Amu Garetz, Adonai Tsevaot Imanu, Misgavlan Eloyakov, c'est là ce pasouk qu'on connaît bien,
il est d'où est, où est sa source? Tehilim 46. On, et ce passage qui parle de la Milchamet Gog ou Magog, que nous, enfin, qu'Am Israël, et surtout que ceux qui se trouveront à Yerushalayim, qu'est-ce qu'ils pourront dire? Adonai Tsevaot Imanu, Misgavlanu Eloi Yaakov Zerakjouchou, il se trouve avec nous. Misgavlanu, c'est notre force. Le Dieu de Yaakov, le chou, et là, le pasouk, le chou hazu mifalot Adonai, asher sam shamot baaretz. Allez voir le chou hazu. Allez voir mifalot Hashem, les actions d'Hashem, la manifestation d'Hashem. Regardez. Ouais, le chou, allez, chazu, c'est quoi chazu? Regardez. Allez et regardez l'intervention, la manifestation d'Hachem, les manifestations d'Hachem, Asher Sam Shamot Baharet, quand il va mettre sur terre la destruction de qui? De Gog ou Magog, quand ils vont s'attaquer à Yerushalayim. Mashbit Milchamot, Akjokhou va détruire, Akjokhou va être mêlé à cette guerre-là directement. Et à la fin, on a Adonai, c'est votre iman, misgavlan, et le Yaakov, c'est là une deuxième fois. Je ne sais pas ce qu'il dit deux fois dans Teilim Mem Vav. Alors, qu'est-ce que le Midrash Tanhuma nous ramène de ce pasouk-là? Qu'est-ce qu'il nous ramène? Le chou, hazou, allez, regardez, mifalot, Hashem, la manifestation d'Hashem, ce qu'il va faire au Goïm à la fin des temps, ce qu'il va faire à Gog ou Magog. Alors, le Shem Ishmoel pose comme question. Il faut comprendre quelle est la preuve que le Midrash Tanhuma ramène du pasouk de Tehilim. Qu'est-ce que ça a à faire le Vayelech Moshe et le Chou Chazou et le Midrash Tanhuma va nous dire que Vayelech Moshe c'est une notion de Tochecha, de réprimande. Et d'où j'apprends que c'est une réprimande, le Chou Chazou Mifalot Hashem? Il dit, les gars, Ken. Veyesh la vira, quelle preuve on amène de là-bas? On ne parle pas de réprimande là-bas, tout à fait. Les gamma ou vayeler zela chantorecha. Et pourquoi le vayeler isrin torecha? Alors que toutes les psukim qui viennent, enfin les premiers en tous les cas, les premiers psukim qui suivent, ce n'est pas des remontrances, c'est au contraire un réconfortement, une assurance, un encouragement que Moshe Rabbeinu nous dit à Israël. C'est vrai, Moshe Rabbeinu annonce sa mort, il leur dit vous inquiétez pas, vous allez être accompagnés d'Hachem et par l'intermédiaire du Yoshua Ben Nun, ne vous inquiétez pas, n'est-ce pas? Donc pourquoi le mot Vayeler il signifierait remontrance alors que les psukim ici, les premiers en tous les cas, signifient ou enseignent un soulagement que Moshe veut faire? Je ne serai pas là, mais ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'il a l'air de dire au début. Adraba kol haparashai pius le Israël. Toute la paracha, qu'est-ce qu'elle est? Un pius. Un apaisement. Les Israël, chez lo idagu al mitato, ne vous inquiétez pas de ma disparition, dirait mon cher Abénou. Moshe katava Ramban, comme il a expliqué le Ramban. Venir et. Il semblerait, nous dit le Shem Ishmoel, alors il reprend la question avec laquelle on a introduit le cours. Quelle est la question qui se pose? Vayelech Moshe, où il est allé? Il n'y a pas écrit où. Vayelech Moshe, et Nahta. Celui qui connaît bien l'état amim, il comprend bien et clair. Vayelech Moshe, c'est tout. Il n'y a pas de complément d'objet. Ouais, c'est le primaire, ça. Vinire dine yezedakdek belashon vayelech lechan alach, où il est allé. Chez Omar Shalach mi beto le machane Israël. C'est difficile, il nous dit le Shem Ishmoel, de dire qu'il est allé de chez lui au camp d'Israël. Chez lo itachen le daber li yichidim rak le kibbutz kulam yachad. S'il va au camp, chacun est chez lui. Quand ils se réunissaient, ils ne restaient pas à côté de leur tente. Ils venaient vers Moshe. Ils venaient là où se trouvait Moshe, au centre. Alors, si Moshe va chez eux, chacun se trouve chez lui. Comment il va parler à tout le monde?
ובמחנה ישראל לא היו כולם מקובצים, אלא למחנה ישראל פה tout le monde était réuni. יחד במקום אחד, אלא איש איש באולו, chacun se trouve dans sa tente. ובוודאי לא ייתכן לומר שהלך לאוהל אחר אוהל, on peut pas dire que Moshe Rabbeinu, il va maintenant de tente en tente. Combien il y en avait de tentes? Au moins 600 000. Alors il a tourné 600 000 tentes pour dire au revoir à tout le monde. ובוודאי לא ייתכן שהלך לאוהל אחר אוהל לחזור ולדבר בכל אוהל ואוהל. ונראה לפרש, ידי שם ישמואל, נראה לפרש שלפי רוממות משה, il va nous expliquer le שם ישמואל, que proportionnellement ou relativement à la grandeur de Moshe, à l'immensité d'âme, la grandeur spirituelle, la dimension spirituelle de Moshe, Ba'et azot shenita'alam Israël, à ce moment-là où il est au summum, kasher ba lomar lahem dvarim lorer et libam, quand il est venu pour leur dire des choses, aya tzarich mikodem leret madrigato litkarev alehem. Be'emet, il n'est pas allé chez eux. Ils sont encore là. Parashat Nitzavim, ils étaient devant lui, tous réunis, la semaine dernière, on l'a appris dans la paracha. Cette paracha, c'est la suite. Ils sont encore là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu nous dis, va yelech Moshe, il est allé. Il est allé où? Il se trouve devant lui. Où il est allé? Il se trouve devant lui. Alors, nous dit le Shem Ishmael que ce jour-là, Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort, il était toujours haut, Moshe Rabbeinu, mais il a atteint un summum qui nécessitait pour parler au peuple de quoi? De descendre à eux. C'est ça le Vayelech. Vayelech, ce n'est pas une descente géographique, mais c'est descendre de son niveau de perception et d'écoute, d'attache à Hachem si grande, une sagesse si énorme pour descendre au peuple. C'est ce qu'il dit. Kasher balomar lahem dvarim d'orer et libam aya tzarich mikode. Si Moshe Rabbeinu veut leur enseigner une autre philosophie, évidemment, quand je dis philosophie, je ne parle pas de la philosophie de la pensée humaine, mais de la pensée divine, Moshe Rabbeinu pouvait le faire. Bien sûr, il pouvait le faire. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de les rendre des penseurs. Le but, c'est de quoi? De réveiller leur cœur à la tâche à Hachem. C'est ça tout notre travail de Aseret Yom Teshuva, c'est d'intégrer la sagesse divine en nous. Ce n'est pas de rester, de la connaître intellectuellement, mais d'y en être loin du point de vue émotionnel, du point de vue de la sensation, du point de vue de l'enthousiasme, du désir. Ayat Sarir Mikodem le redet in madrigato li karev alehem le zeo apirou shel vayelech Moshe she'enenu hilur gashmi. Moshe Rabbeinu, il ne s'agit pas maintenant, il est allé physiquement. Et la hilur ruhani, il s'agit d'une allée, d'un mouvement, je redis, un mouvement spirituel. Mi madrigato ana'ala, de son niveau si haut, le madrigat Israël jusqu'au niveau de Am Israël. Ça, c'est une réprimande. Là est la réprimande. On ne comprenait pas le Midrash Tanchuma. Vayelech Moshe. Et nous dit le Midrash Tanchuma, c'est donc Chazal. Vayelech Moshe, c'est que ça signifie quoi? Ça signifie il a réprimandé. Mais on ne voit pas qu'il réprimande. Au contraire, il dit des mots d'apaisement, d'encouragement au début de la paracha. Donc en quoi le mot Vayelech est une réprimande? Il n'a pas dit de réprimande. Shem Ishmael dit, Nahon, il n'a pas dit de réprimande. Au début de la paracha, on ne parle pas de réprimande, on parle d'apaisement, on parle de soutien, d'encouragement, effectivement. Mais Moshe Rabbeinu, il descend à eux, et le fait qu'il descend vers eux, la descente, le rapprochement de Moshe à eux, a agi sur eux comme une remontrance. Comment ça agit en remontrance?
ça même, cette descente, ce mouvement de Moshe Rabbeinu du haut vers le bas, c'est ça en elle-même, ce mouvement lui-même, c'est la réprimande. Ze atzmo tochecha shirgishu et ma'utam o matzavam. Quand Moshe Rabbeinu descend à eux, ils ressentent où ils se situent par rapport à Moshe. Quand on ressent bien Moshe, à ce moment-là, on sent un décalage terrible entre le niveau de Moshe et notre niveau. De ressentir le décalage, c'est une réprimande la pire. Il n'y a pas une plus grande réprimande que de sentir combien on est loin de ce qu'on aurait pu être. Parce que Moshe Rabbeinu, en réalité, c'est ce que chacun aurait pu être. Et chacun aurait dû être, en tous les cas, mon Moshe à moi. Vous connaissez. Chacun a son Moshe, c'est-à-dire c'est son niveau, son sommet, et son sommet, il se trouve dans la racine de son âme. Est-ce que nous, on est arrivé à notre Moshe? Même notre Moshe, on n'y est pas, évidemment, le grand Moshe. Mais quand on sent Moshe Rabbeinu se descendre vers nous, il descend vers nous, il descend pas de son niveau, il n'est pas descendu de niveau lui-même. Il est descendu avec son niveau, mais il se rapproche de nous. Genre, je vous comprends, je veux vous faire passer le message là où vous êtes. C'est pour ça que je me rapproche de vous. Mais le fait qu'il se rapproche de nous, on ressent un décalage qui est poignant, qui peut nous remuer pour nous dire on est à côté de nos pieds. Alors, on va. Ta remarque, elle est bonne parce que je l'ai eue aussi. mais je pense qu'on aura la réponse. On a la réponse. Vine ze atzmo utochecha. Ça, c'est une réprimande. Vous savez, des fois, on peut réprimander sans réprimander. Hein? On peut réprimander sans réprimander. La plus belle réprimande qu'on peut faire, c'est quand on n'a pas besoin de réprimander. Et tout simplement d'être là à côté de toi. Tu me sens. Papa, il n'a rien dit. Il n'a pas grondé. Il n'a pas dit des mots. Il n'a même pas fait les gros yeux. Il est là. C'est une réprimande. Des fois, ça suffit pour être une réprimande. Évidemment, ça dépend de la personnalité du père. Ça dépend de beaucoup de choses. Imaginez-vous la personnalité de Moshe Rabbeinu. Ils ont ressenti en ce moment-là où Moshe descendait. Et sachez que le tzaddik, c'est ça sa grandeur. C'est pas de rester en haut. Ça, c'est évidemment, c'est son niveau. Mais la grandeur du tzaddik, c'est d'être capable de si haut descendre vers le bas. C'est ça la grandeur du tzaddik. C'est de si haut, d'être si haut et de descendre vers le bas. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, on l'avait déjà dit, quand il a refusé d'aller pour sortir à Israël d'Égypte, Jochou, il a dit à Moshe, donc tu veux pas toi? Je joins à Aaron. Bon, après 7 jours de dialogue, je joins à Aaron. Parce que Aaron, lui, toi tu veux pas sortir le peuple, ça veut dire tu veux rester. C'est vrai. Bon, c'était pas modestie, peu importe. Mais en tous les cas, il y avait un problème ici, jusqu'à combien tu es prêt à descendre. Mais Aaron, il est toujours prêt à descendre. Aaron, il était toujours entre, dans la société, d'arranger tous les problèmes de tous les conflits, tous les différends, tout. Hein? Aaron, c'était pour ça que Am Israël a regretté Aaron plus que Moshe. Okay? La disparition de Aaron était beaucoup plus douloureuse au peuple que la disparition de Moshe. Mais quand même Moshe Rabbeinu, voilà, il arrive à un moment où Vayelech Moshe. C'est quoi Vayelech Moshe? Il est descendu vers le peuple. Il est descendu vers le peuple. Et quand il descend vers le peuple et le peuple ressent sa présence, ressent la proximité de Moshe à eux, alors pour eux, c'est d'un côté, évidemment, ils sentent la splendeur de Moshe, la grandeur de Moshe, mais d'un autre côté, ils ressentent le décalage. Et le décalage, la sensation de décalage, c'est la plus grande tochecha, la plus grande réprimande. Kama ou naour, mais là, ils ont ressenti
combien on est bas, combien on est faible, combien on est médiocre, combien là où, vers quoi on tend. Là, nous noter vers quoi on tend. Ah, Moshe Rabbeinu, alav shalom, lo haya yachol ledaber itam. Ad shehaya muchar leredet mikodem mimadrigato, ki bevadai hirgishu ze Yisrael, ulai haya nikar mikirun orpanim, leumat shel eragle dvekut shehayu tzrichim liyot dvukim memoshe, haita itromemut Moshe tzricha leashpia gam aleihem romemut madriga, aval lo haya ken. Explique le Shem Ishmoel. Ils étaient tellement en état de mal à l'aise, plus que mal à l'aise. Vraiment, comment on va dire, indisposés, ils étaient honteux. Ils étaient honteux. Ils sentaient tellement ce décalage-là que Moshe Rabbeinu va s'appliquer à descendre encore vers eux. Peut-être pour éviter de donner cette sensation-là de décalage. Mais en descendant vers eux, qu'est-ce qu'ils auraient dû sentir, eux? Ou alors aiguiser la sensation de décalage, ou alors ils auraient dû être plus attachés à Moshe et être élevés par Moshe. Il y a deux possibilités. Ou alors se sentir en retrait et loin parce qu'on n'est pas, on n'est pas au niveau, ou alors se sentir entraîné avec Moshe vers le haut. Et là, c'est ce qu'il dit le Shem Ishmoel. L'umat chiragled vekut chayut tzrichim liot devukim be Moshe. Aita itromemut Moshe tzricha leashpi agam aleim romemut madriga. La grandeur de Moshe aurait dû être influente sur eux pour influencer quoi? Sa dimension à lui. Avalo ayaken. Mais il n'a pas pu, mais par eux, il n'avait pas le niveau d'être suffisamment attaché à Moshe pour jouir de la dimension de Moshe Rabbeinu. Vous voyez ce qu'il dit ici, Aïta et Tromemoud, Moshe Tzricha, les HP Agamalem, le monde Madriga. Aval lo haya ken, c'était pas comme ça. Veim ken, be'en omer, ve'en varim ayalem, inyan zetorecha. Sans mots, sans paroles, sans phrases, sans discours. Non, ce qu'il veut dire par là, c'est que la descente de Moshe, elle aurait pu avoir deux effets. Elle peut avoir deux effets. Ou l'effet, Moshe Rabbeinu, tu rapproches, et si je suis un récipient, si je suis un raouille, c'est-à-dire je suis disposé, je suis apte. Si je suis apte, alors malgré que je n'ai pas le niveau de Moshe, mais je suis apte à monter, je vais être entraîné par lui. C'est-à-dire que quand on a un grand, okay, et la grandeur d'un tzaddik, d'un homme parfait, est-ce qu'elle doit provoquer en nous qu'un décalage stérile, enfin, pas stérile, mais un décalage négatif, j'aurais dit, qui est quoi? Je ne suis pas au niveau. Ou alors, ça crée un décalage, mais qui par le fait que je suis apte à monter, alors quand il va descendre vers moi, je vais pouvoir m'accrocher à lui et remonter avec lui. Mais là, quand il n'est pas dans cette disposition-là, c'est au moment où il descend, il faut dire que le matzav kali, en général, il était. Non, les deux. Même quand il est descendu. Je reprends. Oui. Et je reprends la phrase de Veiné à la fin du Resh Lamed. Veiné zeatzmo utochecha. Ça, c'était une réprimande shirgishu. Et maoutam, ils ont ressenti leur essence ou matzavam et leur état, comment ou kama un amour, combien il était bas, ou les anunoté, vers quoi il tend. Ati Moshe Rabbeinu alav shalom, lo haya yachol ledaber itam, et Moshe Rabbeinu ne pouvait pas parler avec eux, tellement ils se sentaient éloignés. Ati hayu amuchach lered mikodem mimadrigato. Qui le vada irgishuze Israël, Am Israël ont ressenti que Moshe Rabbeinu doit descendre pour aller vers eux. Et il dit, entre parenthèses, Vula yaya nikar bekirun orpanim, peut-être que c'était remarquable dans quoi? Dans l'éclat, où il voyait Behemet un changement. Dans quel sens il doit être le changement? Il y avait plus de lumière dans le visage ou moins de lumière du visage en descendant? Voilà. Moins, parce qu'il est plus ou moins.
Oui, mais non, mais le Shem Shmuel dit entre parenthèses qu'ils ont remarqué ça dans les rayonnements du visage qu'il avait, Moshe. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que le rayonnement était plus intensif ou moins? Moins intensif. Ouais. Ou alors on peut dire que comme ils se sont senti bas, alors ils ont senti que le décalage, ils l'ont senti plus grand, donc ils ont senti que la lumière de Moshe était plus intensive. Bon, il n'a pas dit le Shem Shmuel, mais les deux, on peut les comprendre. Mais si je compare, ils auraient dû être suffisamment attachés à Moshe. C'est-à-dire que là, il a l'air de dire, le Shem Shmuel, que le problème, ce n'est pas simplement leur niveau spirituel, ça va ensemble quand même, mais c'est aussi le niveau de combien ils étaient attachés à Moshe. S'ils étaient suffisamment attachés à Moshe, annulés à Moshe, okay, alors quand ils seraient descendus vers eux, la descente vers eux aurait entraîné l'élévation. Ils les auraient entraînés avec eux. Mais ils n'étaient pas suffisamment attachés à Moshe depuis toujours. Depuis toujours. C'est ce qu'il nous dit. Si c'était ainsi qu'ils étaient attachés à Moshe, Aïta itromemut Moshe, tzricha l'ashpia gam aleim romemut madrega. Alors il aurait pu, Moshe Rabbeinu, influencer sur eux son niveau à lui, sa dimension à lui. Avant lo ayaken, mais ce n'était pas comme ça. Et si ils ont ressenti que ce n'est pas comme ça. On aurait dû être entraîné par Moshe. Et il s'avère qu'on n'est pas suffisamment attaché à Moshe. Bah oui. Ils auraient dû travailler pendant 40 ans. Et ils n'ont pas travaillé suffisamment. Ils sont restés. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, c'est à cause d'eux que Moshe Rabbeinu ne rentre pas non plus en Eretz Israël, finalement. Aval lo ayaken, veimken, ben omer. C'est quoi ben omer? Sans mots. Ve'en dvarim, sans parole. Aya lahem inyan ze tochecha shema. Ils ont senti ça, une tochecha. Regardez, on allait à Sarayamim. Un homme qui réalise qu'on est dans la Sarayamim, et qu'il y a une présence divine, finalement, qu'est-ce que ça devrait lui faire? Il devrait sentir deux sensations. Première sensation, en réalité, j'ai honte. Je me sens pas au niveau. Je me sens pas. D'un autre côté, je devrais être entraîné par ce dévoilement divin et me laisser emporter, me laisser dans l'élan vers le haut. Ces deux sensations qu'on doit avoir, qui paraissent être contradictoires, quand même, mais en réalité, elles sont... La première action, c'est genre 3. Hein, la 3, c'est... Je me sens cassé. 3, c'est cassé. Et la tkia, c'est un col prolongé de chesed, d'élévation. Et c'est pour ça, Rosh Hashanah, on est sur les deux, là. La 3, Shvarim 3, Shkren, c'est... Il faut être cassé. C'est le chauffard qui est courbé. Et il y a la tkia qui est un col pashut, qui est l'élévation. Et c'est ça qu'on doit ressentir toute cette période-là. C'est les deux en même temps. C'est ce qu'on nous dit, Gilou Birada. Il faut pendant ces 10 jours-là se réjouir dans le tremblement. Gilou Birada, se réjouir dans une sensation de tremblement. Il ne faut pas rester dans un tremblement de découragement, Chas v'Shalom. Pas d'Yehouch. Mais d'un autre côté, il faut, pour pouvoir s'élever, il faut quand même s'annuler, se soumettre. Et après ça, se laisser entraîner vers le haut. Et arriver au summum de la Simcha à Sukkot. C'est comme ça, c'est le processus. Alors je continue. Le mot vayelech, c'est tochecha, comme shenema. Quelle est la preuve de Tehilim? Lechou, hazou, mifalot, Elohim.
Allez voir à la fin des temps, Gog et Magog, c'est le Pérec de Tehilim, on parle de Gog et Magog. Allez voir, Mifalot, la manifestation d'Hachem. Qu'est-ce qu'il fera à la fin des temps au peuple, à Gog et Magog? Il va les détruire. Chez les Chora, Tevat, les Chou, Miouteret. Je n'avais pas besoin de te dire les Chou. On aurait dû nous inviter en nous disant, regardez, allez regarder, quoi, allez regarder. Quelle est cette invitation du aller? Si vous voulez pouvoir comprendre et percevoir la manifestation divine à la fin des temps, ce n'est pas simplement une observation des yeux, mais c'est l'observation de l'esprit. Ce n'est pas quand on te dit « Razou », c'est quoi « Razou » ?« Vois ». Mais je veux, avant que tu vois, qu'est-ce que je veux? Que tu sois prêt à voir. Le chou, c'est dans le sens de prépare-toi à voir. Il explique. Cette marche-là, cette démarche, ce mouvement, il doit être physique et il doit être spirituel. Pas physique, et la spirituelle, aussi physique. Mais au préalable, il faut le spirituel. Et alors, vous pourrez voir la manifestation d'Hachem. À la fin des temps, il y aura une manifestation d'Hachem. Mais cette manifestation d'Hachem, on peut avoir un regard, une observation superficielle ou une observation essentielle, une observation profonde. On peut tout voir de deux manières dans la vie. On peut voir deux personnes voir la même chose et voir tout à fait autre chose. Et là, ce qu'on veut, à la fin des temps, ce n'est pas la victoire, on a vaincu beaucoup à gauche. Non, tu dois à la fin des temps pouvoir voir la manifestation d'Hachem qui a détruit, entre parenthèses, Gog ou Magog, le Shem Ishmael explique à plusieurs parachiotes. Gog ou Magog, c'est représente l'akfira, la chutzpa, le aller contre Hachem en toute conscience. Il y a beaucoup de peuples qui n'ont pas trop la conscience de leur opposition à Hachem. Mais eux, c'est en toute conscience. Et donc, quand je me trouve, il va détruire Gog ou Magog. Qu'est-ce que nous, on doit ressentir? C'est que la kfira, qui est le rejet et la méconnaissance d'Hachem, l'athéisme, tout ce que vous voulez, sera détruit. Bon, ça, je le dis entre parenthèses. Ce qui mifalot Elohim, afkem niglim, biidouim lakol. L'intervention d'Hachem, la manifestation d'Hachem, même quand elle est connue, elle est vue, elle est connue, mais kol makom, enan niglim le kol ish vaish. Pas tout le monde la voit. En tous les cas, pas tout le monde la voit de la même manière. Et la kefi achanat levavo, elle dépend de quoi? De la préparation du cœur. Jusqu'à combien tu ouvres ton cœur? Si un homme ne prépare pas son cœur, il ne va pas pouvoir voir. Et c'est ce que nous dit là, comme c'est écrit dans la Mishnah de Rosh Hashanah, Avadpi chez Zeshama et Zeshama, deux personnes qui écoutent la tkiat shofar. Kenze qui vient libo, celui qui a été mitkaven la tete de Chova, et le yotze, celui qui n'est pas mitkaven la tete de Chova, il n'est pas yotze, il n'est pas acquitté. Donc on voit, ce n'est pas parce que j'entends le shofar que je suis acquitté. Si je n'ai pas à penser à m'acquitter, je ne serai pas acquitté. Donc il nous ramène l'idée. L'idée qu'elle a une base à l'achite, il nous ramène l'idée qu'en réalité, même dans l'accomplissement d'une mitzvah, qui a un caractère pratique et concret, s'il n'y a pas l'intention, il n'y a rien. L'intention est très, très déterminante pour tout. Et c'est ce que nous ramène, maintenant il nous ramène le Zohar, qui est Nyan, Chebe Zohar Akadosh, qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar Akadosh? Vaishma Yitro. Vous vous rappelez de Vaishma Yitro? Yitro, il a entendu, qu'est-ce qu'il a entendu? La sortie d'Égypte, tout ce que Jourou il a fait à Israël, à Moshe, à Israël. Alors le Zohar pose une question simple. Vaishma Yitro.
Yitro a entendu, Vechi Yitro Shama Vechol Alma Lo Shamro. Est-ce qu'il n'y a que Yitro qui a entendu et, toutes et tout le monde n'a pas entendu? Veaktiv, on le dit toujours dans la Shira Tayam, qu'est-ce qu'on dit? Shamero Amim Irkazum, les peuples ont entendu. Ils ont été ébranlés d'entendre tout, et Kriyat Yam Souf. Qu'est-ce qui répond le Zohar à ça? Kol Alma Shamro. Tout le monde a entendu, mais ne se sont pas, n'ont pas été ébranlés. Idbarou, c'est les chavers dans le sens, n'ont pas été brisés. Voilà, on va dire brisés. Ils ont entendu, mais n'ont pas été brisés. Vehaï, mais Yitro, Shama, Vidbar, Yitro, il a entendu, Vidbar, il a été brisé, Vidkafia, Mikame. Écoute, Shabbatou, il s'est soumis à Kadosh Baruch Hu. Vite, Karev le Dachalte, il s'est rapproché à la crainte d'Hachem, il s'est rapproché au service d'Hachem. Tout le monde a entendu. Mais il y a entendre et entendre. On peut entendre sans écouter. On peut écouter sans entendre, je l'ai dit plus tôt. On peut écouter sans entendre. Écouter, c'est avec plus d'attention. Ouais, peut-être. Parce que Rashi est. Hein, pardon. Tu as raison. C'était prêt à sortir de ma bouche. Entre parenthèses. Non, mais c'est bien. Mais entre parenthèses, et c'est bien à préciser que Yitro, toute sa vie, recherchait la vérité. C'est une âme particulière. Depuis toujours, il recherchait la vérité. Pour rechercher la vérité, évidemment, il a fait des erreurs. Parce que dans la vie, pour trouver la vérité, on fait des erreurs. Alors, il a essayé cet Avodah Zarah. Il a essayé cet Avodah Zarah, il a essayé cette conception, il a essayé cette conception, cette idéologie, cette théologie, cette philosophie, il a tout essayé. Il cherchait la vérité. Et quand, déjà Moshe Rabbeinu arrivait, la vérité par excellence est arrivée chez lui à la maison. Vous voyez que quelqu'un qui recherche la vérité, la vérité, elle frappe à sa porte. Non, c'est important de savoir dans la vie quand quelqu'un cherche la vérité frappe à sa porte. Yitro cherche la vérité toute sa vie. Eh bien, Moshe, qui est Moshe Emet, le Torato Emet, hein, il arrive à la porte d'Yitro et il se marie avec sa fille. Donc on voit jusqu'à combien la recherche de la vérité. Et c'est ça le grand problème, c'est qu'on est tellement endormi ou des fois ivre ou on est des fois tellement... drogué par la vie, aveuglé, drogué, il y a tous les niveaux et toutes les sortes, hein. Eh bien, on n'est pas toujours dans cette recherche de la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui gênent et qui perturbent. Et c'est ça la grande épreuve de la vie. C'est que tout ce qui perturbe, tout ce qui gêne, il faut savoir, toute la vie, elle est là. Il faut savoir l'orienter dans la recherche de la vérité. Utiliser des moyens à bord. Mais pour la recherche de la vérité, le monde, il est beau. Il est grand. Il est riche. Mais il faut l'utiliser pour la recherche de la vérité. Et en général, on a tout. Tout le monde a été créé pour avoir les dispositions à la recherche de la vérité et de s'attacher à Hachem. Et évidemment, pour ça, le servir. Et pour ça, le connaître. Mais... Les moyens à bord, au lieu qu'ils deviennent pour nous les moyens et les intermédiaires qui vont nous permettre d'arriver à l'aboutissement de la recherche de la vérité, qu'est-ce qu'on fait? On chokrim, c'est quoi chokrim? On s'enfonce dans les moyens et on oublie que c'était un moyen. On oublie que c'était un moyen. Okay. Par exemple, un bateau qui traverse, qui fait la croisière. Non, je ne parle pas de croisière. Je parle d'un bateau qui va. Je parle d'il y a longtemps, quand il voyageait. Il pensait aller en Eretz Israël. Et pour aller en Eretz Israël, il fallait des mois et des mois et des mois de voyage avec toutes les intempéries des mers. Vous savez ce que c'est? Vous ne savez pas. Vous les voyez d'où? Avec les intempéries de mer. Et évidemment, il faut vivre dans le bateau. Et on va vivre des mois et des fois plus que des mois. On ne sait pas combien de temps on va rester dans le bateau. Donc, on organise la vie dans le bateau et on fait tout ce qu'il faut
tout ce qu'il faut pour vivre dans un bateau. Et les gens, avec le temps, ils ont oublié qu'ils étaient finalement en voyage vers Israël, et ils ont fait la vie du bateau comme la vie. C'est simple comme image, mais à mon avis, ça exprime ce que 95% de l'humanité vit. On est dans un grand bateau, et finalement, on oublie qu'on se dirige vers le yard, c'est-à-dire la destination. On se dirige vers une destination, mais on oublie qu'on est en destination. Parce que, et bien, mettre qu'il faut, quand on est en bateau, il faut s'occuper de manger, de dormir et de vivre. Mais vadaï. Mais la question de savoir, est-ce que ça va se transformer en notre vie, ou est-ce que ça va rester le moyen. Mais la vie. Mais je parle pour. Ça dépend quelle publicité. C'est vers la direction, c'est sans direction. C'est tout le temps vers la bonne direction. Alors, en tous les cas, ce qu'on voulait dire par là, c'est que Yitro, pourquoi il était sensible? Pourquoi il a un cœur ouvert? Parce qu'il se préparait toute sa vie. Hachana, préparation du cœur. Et dès que les circonstances font que voilà, il y a une manifestation divine, c'est pas les circonstances qui ont fait, c'est la manifestation divine, elle qui est apparue devant tout le monde, et bien Yitro tout de suite pouvait intégrer une intégration qui va le transformer, après qu'il était beaucoup transformé déjà. Mais tout ce qu'il a fait, c'était en réalité une préparation à la vraie transformation. Et c'est ce qu'il nous dit ici le Zohar. Il y a entendre et entendre. Shema Yitro. Quand on dit Shema Israël, c'est écoute. Tu vois, Ken, c'est. Dans les livres, c'est. Non. Dans les livres, c'est écoute. Écoute. Mais en réalité, comprend. Ken, dans le sens de comprend. Perçoit, comprend. Et la kol alma shamu velo yitbaru vaishama yitbar vitkafia mikamen yitbaru yirade. Ou memotza advarim. De là, qu'est-ce qu'on comprend? Shérak, Yitro, Nikra, Shéchama. Il n'y a que Yitro qui est appelé Shama. Maïshma, Yitro. Le monde entier a entendu. Shamero, Ami, Irgazoun. Mais il y a un seul qui est appelé Shomea. C'est qui? Yitro. Maïshma, Yitro. Et Koulé, Alma, Nershavim, Shelo, Shamu. Et tout le reste, tout le monde entier est considéré comme qui n'ont pas entendu. Mais Atam, Shéchamro. Rak Shemira Kitsonit. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont entendu que ce qu'ils ont entendu, c'était que Kitsoni, superficiel, extérieur, superficiel, Velo Nitpa'alu, ils n'ont pas été Nitpa'alim, Nitpa'el, c'est être transformé, être bouleversé, être muet, être. J'aurais dit un autre mot, il y a quelque chose qui fait de l'effet sur nous. Il y a des choses qu'on entend qui ne font pas de l'effet sur nous. Impressionné? Non. Oui, et c'est vrai que des fois, on utilise le mot « itpael » pour impressionner, mais ici, je pense que c'est plutôt dans le champ de parole, « kipshuto », dans le sens de… Pardon? Impacté. Enthousiasme. Impacté, ça serait peut-être un bon mot. Impacté, ça veut dire que ça fait de l'effet. Comment on dirait faire de l'effet? Hein? Faire de l'effet. Traverser, faire de l'effet, impacter, transformer, intégrer. On les fait tous passer les mots. Ils rentrent dans l'idée du Shem Yishmael ici. Vechen zelimud laolam. Et de là, on peut apprendre un grand limud, un grand enseignement. Leolam, laolam, au monde entier, c'est-à-dire à nous tous. Chez les Shmi'at, les Re'iyat, Mifalot, Elohim, pour entendre et pour voir la manifestation d'Hachem, l'intervention d'Hachem, la providence divine, les desseins divins. Pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Tzrichim likanes beregesh anefesh. Il faut rendre l'âme sensible, l'âme. Une âme qui peut être sensible. Est-ce qu'il y a un autre mot que sensible?
sensible. Des fois, notre âme, elle est dans un état, notre cœur, bouché, obstrué. On est imperméable. Il faut se rendre perméable. C'est pour ça qu'avant, ceux qui mériteront de voir la guerre de Gog ou Magog, ce n'est pas simplement assister à la guerre et entendre les nouvelles de la guerre. C'est l'intervention divine qui se cache derrière cette guerre-là, qui fera un effet de bouleversement chez les âmes fines, chez les âmes sensibles, qui nous élèveront au summum. Quand on voit la destruction du mal, la destruction de la kfira, de l'athéisme, la azout et la chutzpa, donc ce passouk de Tehilim est une preuve. De la même manière qu'à la fin des temps, on avait besoin de vayeler, qui est cette préparation pour recevoir. C'est aussi Zereaya, le vayeler de Achad et Pirusho Alicha Ruchanit. Le vayeler de Moshe, c'est quoi? C'est aller dans le sens spirituel, chez Zoatzma et Torecha. Pour Moshe, c'est quoi? C'est aller pour que ça soit une préparation au peuple. En réalité, lui, Moshe Rabbeinu, il veut aller les rendre sensibles, les rendre préparés à la tâche et à l'élévation. Mais cette préparation, finalement, pour eux, elle est devenue quoi? Elle est devenue une torecha, puisqu'ils ont ressenti ils ressentent le décalage. Vezniré, Chezeu Inyan, Hashem Itbara, pardon, Vezeu Inyan, Aseret Yemei Tshuva, Kodem Yom HaKippurim. Pourquoi Aseret Yemei Tshuva précède Yom Kippour? Aseret Yemei Tshuva est hilouch ruchani lizkot le Yom Kippourim. Aseret Yemei Tshuva, c'est un hilouch ruchani. C'est une démarche. Peut-être c'est le meilleur mot ici. Yéler, en général, c'est marche, mais ici, ça serait plus une démarche, un mouvement. Une démarche, c'est ilur ruchani, c'est une bonne traduction ici de dire démarche, lizkot le Yom Kippour pour mériter Yom Kippour. On a besoin de aseret yemei tshuva pour mériter Yom Kippour. Ou kinyan shekatuv ha'am ha'olchim b'choshech, qu'est-ce qu'il nous dit le Navi Ishaïa, le peuple qui va, qui avance dans l'obscurité, ra'u or gadol, eux ils mériteront à la fin des temps de voir une grande lumière. Avalotam, pourquoi? Aolchim, c'est quoi la Aolchim? Qu'est-ce qui va mériter à la fin des temps de voir la grande lumière? Ceux qui sont en état de démarche. Avalotam amemaatim beilu ruchanizem, mais ceux qui ne sont pas en démarche. Enam nikraim Aolchim et la Yoshvim, comment ils sont appelés? Dans le pasouk là-bas de Ishaïa, qu'est-ce qu'ils sont appelés? Ken? Il nous le dit, ou ken sefa dekra yoshve baaretz, pardon, yoshve beeretz salmavet or naga alehem. Yoshve beeretz salmavet, ceux qui sont assis dans une terre obscure, dans une terre où on est dans les ténèbres, c'est les ténèbres, naga or naga alehem. Donc, quelle est la différence entre les deux personnages? À la fin des temps, il y aura une grande lumière déployée, la lumière divine, qui est la connaissance d'Hachem. La connaissance de la vérité, c'est quoi cette lumière? C'est la connaissance d'Hachem, la perception divine. Elle va se déployer. Mais qui est-ce qui va l'intégrer en lui? Qu'est-ce qui va l'intercepter? En fonction, qu'est-ce qui va déterminer le niveau de perception? Ça sera la préparation. Il y a deux sortes de personnes qui préparent. Il y a celui qui est actif dans sa préparation. Ça veut dire quoi? Il est actif dans sa préparation. Il est à la recherche de la vérité. Il se prépare. Toute sa vie, il se prépare. À la fin des temps, celui qui sera le holer, c'est quelqu'un qui
qui se prépare, s'il est en mouvement, celui qui toute sa vie aura été en état de mouvement et de préparation, alors il aura quoi? Qu'est-ce qu'il nous promet le Navi Ishaïa? Or Gadol! Or Gadol, une connaissance divine immense. Mais les autres qui étaient assis, ceux qui sont assis, qui ne sont pas en démarche, qui sont assis, Or Nagaléem, la lumière va les éclairer. Il va alors venir des étincelles de lumière. À la fin des temps, tout le monde va mériter de la lumière divine, de la connaissance divine déployée. Mais chacun selon ce qu'il aura été, qui sera préparé à la perception. Et ça, comment on va définir la différence entre celui qui est préparé et celui qui n'est pas préparé? Zéoler, Zéoshev, celui-là, il avance. Celui-là, il est en mouvement. Et celui-là, il est passif, il est assis. Celui qui aura été en mouvement toute sa vie, il va pouvoir intercepter, il va pouvoir intégrer. Les autres, ils auront comme des rayons de soleil qui vont leur parvenir, mais ils n'auront pas cette perception-là. C'est quoi Or Naga? Ça va éclairer sur eux, mais ils ne vont pas réellement mériter la lumière de la fin des temps. Donc, pour arriver à Yom Kippour, qui est une lumière avec toute sa splendeur, qui est immense, puisque c'est le jour où réellement on est en intimité avec Hachem. Ce jour-là, pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir bien exploiter de cette lumière-là qui se déploie et qui se dévoile à nous, on doit arriver avec une préparation qui nous rend réceptifs, qui nous rend entièrement en capacité de d'impacter et d'intégrer. Et c'est ce qu'on souhaite à chacun de nous et sa famille. Amen et amen. Amen.